Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on retrouve notre petite Elana version Sims 3. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode précédent, elle était enfin devenue une fée. Enfin. Donc voilà, maintenant notre objectif principal, on va dire, c'est d'arriver à acheter la récompense, qui va nous permettre de changer la forme et la couleur de ses ailes. Donc évidemment le but étant de lui donner des ailes violettes, voilà. Elle est à 30 000, et on est déjà presque à 10 000. Donc l'objectif, c'est de se concentrer un petit peu sur toutes ces tâches-là. La dernière fois, je me demandais justement ce qu'il fallait pour faire pousser les ingrédients des spaghettis sauce aux légumes et spaghettis normales. Et donc on m'a rappelé, merci beaucoup pour ça, qu'il suffisait en fait d'aller dans le journal des compétences, et là vous allez avoir la liste des ingrédients qu'il vous faut pour tous les plats que vous connaissez. Parce que j'avais été étonnée la dernière fois de ne pas avoir le descriptif directement au choix du plat dans le frigo, contrairement au Sims 4. Et en fait, ça se cachait ici, j'avais complètement oublié. Vraiment, j'ai très peu de souvenirs de toutes ces fonctionnalités du temps où je joue au Sims 3. Voilà. Donc, pour les spaghettis, ben, j'avais vu juste qu'il fallait des tomates, tout simplement. Pour l'un et pour l'autre. Donc, on fait pousser des tomates. Voilà. Et à chaque fois, ça nous rapporte 300 et 300. Donc, bon... C'est déjà ça de prix. Ah oui, elle adore danser, c'est une fée. Par contre, c'est super fort. Va manger. Hop. Après, tu vas t'occuper du jardin. Et après, on prendra une douche. Est-ce qu'on avait une autre opportunité actuellement? Non. Ok. Donc, on avait planté nos tomates la dernière fois. Ben, ici. Très bien. Donc, ouais, le but, c'est d'arriver à les faire pousser. Je crois que c'est comme ça que ça se valide. Et après, on les récoltera. Puis, on fera des spaghettis avec. Hein. Il faut maîtriser la... Ouh là là, maîtriser la compétence jardinage 5000. C'est énorme. Préparer ce plat de pâtes. Non, ça on l'enlève. Ça on garde. 5000, c'est énorme. On n'est pas très loin d'ailleurs. Je retrouve jamais mes trucs, moi. Jardinage. Ah, on est au dernier niveau actuellement. Donc, bah écoute, tu vas continuer. Hein. Et puis, vu que le but, c'est quand même d'arriver à monter... de finir de monter la compétence... Je vais refaire un petit tour de jardin. On a des graines inconnues qu'on connaît, oui forcément, qu'on va pouvoir planter pour voir ce que c'est surtout. Donc viens faire ça. Il y en a plein ici. Je sais pas pourquoi est-ce qu'elles étaient séparées. Il y avait celle-ci. Ah, c'est peut-être spécial. Et ça, c'est juste inconnu, c'est ça? Insolite. Ah, c'est l'appellation qui est différente, ok. Bah vas-y, plante des trucs, puis on verra bien ce que ça donne. On va en planter une dernière par là. Hop. Et on verra par la suite. Il faut qu'on se lie d'amitié avec un loup-garou. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va causer à notre copain Dwayne. Invité, ouais, tout simplement. Oh, il est indispo dans environ 2 heures. Ah ouais, là, on a une estimation quand même. C'est dingue. Bah, en attendant, tu sais ce que tu vas faire. Tu vas continuer à faire des recherches sur l'alchimie. Tiens, monte cette compétence aussi. Elle vient d'apprendre une recette. Jarre d'amitié. Ah, bah on va peut-être s'en servir sur Dwayne, du coup. Mais regardez comment elle danse. Ce mouvement-là, il est creepy, quand même. Hein. Oula. C'est spécial. Oula. Bon, elle s'amuse, au moins, écoutez. On peut préparer un élixir, du coup. On peut faire une jarre d'amitié ou pas? Jarre d'amitié, il faut une racine de valériane rouge. Ça, je crois qu'on en a. Fais voir si on en a beaucoup ou pas. Est-ce qu'on peut les gâcher? La musique est super forte. C'est incroyable. Modifier le volume. Faible. Ouf! Mais même faible, c'est super fort, je trouve. On éteint. Oula! C'est mieux jaugé dans les Sims 4. Hein. Valériane. Ah, on en a plus que deux après. Fais gaffe à ce que tu fais. Hein. Oh, regardez la jolie couleur. J'adore. C'est super beau comme teinte. Elle a réussi. Elle vient de terminer ceci. Alors, est-ce qu'elle est bien ou pas? Améliore un peu la qualité de votre amitié avec quelqu'un. Bah tiens, écoute. Rappelle Dwayne, du coup. Bien sûr, je viendrai dans un petit moment. Est-ce que c'est juste le temps qu'il arrive, vu que c'est un monde ouvert, ou... Oh, regardez, il y a tout plein de papillons. Viens attraper les papillons. C'est quoi, d'ailleurs, comme papillon? Je sais pas du tout. Machaon vert. Ok, ceux-là aussi. Ils ont l'air de se ressembler un peu. Ouais. Ah, il est là! Saluez. Oh, il sent pas bon. Il s'est pas lavé depuis qu'il a fait pipi par terre dans l'autre épisode. Est-ce qu'on peut lui donner la fiole, du coup? Jeter un élixir sur un Sims. Jeter? Mais c'est d'une violence. Faites voir.
Déjà qu'il pue, ça va pas arranger son cas. Oh ah ouais. D'accord. Ah bah ça marche bien en tout cas. Oh bah c'est bon, on a gagné nos 500 points. Trop bien. Donner une accolade amicale. On va faire ça tout de suite. Donner l'accolade, vas-y. Qu'est-ce qu'il fait? Il voulait retourner la poubelle? Ouais, c'est un petit câlin quoi. Ouais, j'adore cette petite musique. Oh là là. Cette nostalgie rien qu'avec quelques sons, c'est dingue. Compétence alchimie à monter, on va faire ça. Rencontrer une créature surnaturelle, ben faudra en trouver une autre. Ça rapporte combien ça? 250, ouais, c'est pas énorme. On a passé les 10 000, ouais. On va parler encore un petit peu avec lui pour être sûr que la relation redescende pas trop vite. Discuter de l'étiquette. Oui, alors c'est marqué qu'il faut laver à 32 degrés. Et ensuite, ben écoutez, on va s'occuper de soi un peu, parce que là les besoins ils sont pas ouf. Servir le plat. Dwayne est incorrect. Super. Voyons. Mais t'as plus de choix qu'avant. Oh, tu peux faire des sushis maintenant. Fais des sushis. Quelle heure il est? 21h. Tu vas jouer un petit peu aux jeux vidéo et dormir. Ah ouais. Il n'y a pas de lune ce soir. Du coup, elle est pas bien. Oh, c'est juste parce qu'elle est une fée. Du coup, ça la rend triste qu'il n'y ait pas de lune. La pauvre. Elle a fait pousser un plant fantastique de tomates. Ah! Et alors? Faire pousser des ingrédients. Ouais. Ça, c'est quoi, ça? Boire un cocktail au pollen. Ah, ça, on peut faire, ça. On peut les récolter ou pas? Ah, non. C'est le plan en lui-même qui est magnifique, mais on n'a pas encore de récolte. Ok. Bah, moi, je serais d'avis de nous installer une petite maison de fées, en fait. Tout simplement. Je crois que c'est les activités en plein air. Oui, c'est ça. Il y en a deux. Oh, je sais pas laquelle je veux. Elles sont trop choupettes. Je sais pas laquelle je veux. Oh, regardez! Elle est elle est violette et bleue, celle-là. C'est trop beau. Et l'autre, elle a quoi comme coloris? Oh, elle est plus classique. Enfin, plus boisée. Oh, elle est classe, quand même. Hein. Je vais te mettre les deux. T'iras dans celle que tu veux. Oh, c'est trop chou. Non, mais elle est trop, trop belle, celle-là. Allez, on va boire du cocktail au pollen, du coup. Oh, comme elle est belle. Oh, j'en reviens pas. Mais le détail, les gens, c'est assez dingue. Comme c'est joli. Et hop! Elle devient une petite boule jaune. Je me rappelle plus si c'est un rapport avec la couleur des ailes ou si les fées sont toutes jaunes. Alors ça, si quelqu'un qui regarde l'épisode le sait, ne me dites pas. Hein, je veux garder la surprise quand on changera les ailes. Si jamais elle change de couleur en tant que petite boule. Oui, du coup, ça, c'est bon. 200 points de plus. Et 11 500. Bah, continue tes recherches sur l'alchimie, du coup. Il faut monter ta compétence. 500. Elle a appris jarre de discorde. C'est pour faire s'énerver les gens et se battre? Je sais pas. T'en es où du coup? Mais allez, elle recommence avec sa danse chelou. Oh, t'es pas loin du niveau 3. Vas-y, continue. Oui, niveau 3. 500 points en plus. Ouh, 12 300. Et ça, c'est quoi? Créer 5 élixirs. Bah vas-y, ça rapporte 500. Préparer un élixir. Tu vas faire... bah ça, on a plein d'ingrédients. Oh, fiole d'illumination. Ça, c'est nouveau. Ça sert à quoi? Buvez-en une gorgée, puis faites une petite sieste pour améliorer rapidement une compétence. Waouh! Et donc la Discord détruit la relation avec un Sims. Ok. Bon, à faire simple, hein. De toute façon, il faut en faire 5. Il faut qu'elle envoie un élixir à un ami. Bah, tu vas faire ça tout de suite. Ça va... T'en as fait une déjà, donc ça compte pour ça. Et tu pourras valider ça aussi. Voyons. Comment on envoie un élixir à un ami? Alors, via l'ordi, non. Via la boîte aux lettres, non. Via le répertoire non plus et via l'inventaire non plus. L'envoyer. Je peux peut-être le donner à un ami si j'en ai un qui est pas loin, mais l'envoyer. Bon, bah dans tous les cas, il va falloir qu'on voit si ça marche quand on est à proximité de quelqu'un. Et puis, j'ai envie de continuer à voir un petit peu les interactions des fées, donc je voulais retrouver le centre-ville, mais je sais toujours pas m'orienter. Ah bah si, j'étais dans le bon endroit. Super. Allez, viens jusqu'ici. Alors là, il y a quelqu'un, je sais pas qui c'est. Présentation respectable. Tiens, fais-toi des contacts un peu. Comment il s'appelle ce gars? Joe. Joe McDuff. Oh, pourquoi il a peur? Ok, on sait pas trop. Amical, on va s'enthousiasmer pour la nature, raconter un conte de fées, parler des créatures surnaturelles, parler des fleurs. Ah, il y a un truc qu'il a pas aimé, super. Faire connaissance. Ah, il nous trouve ennuyeuse. Mais c'est génial. Alors, est-ce que je peux lui donner maintenant que je suis à proximité de lui ou pas? Ceci dit, c'est pas notre ami. Est-ce qu'il faut vraiment qu'il soit ami-ami?
Jeter, non. Ouais, du coup, il m'a l'air pas ouf. Donc, on va faire un tour de fée pour voir. On va faire la tête brûlante. Alors, comment ça va se passer? Oula. Oh, ah ouais, d'accord. Tête brûlante. Moi, ça me fait penser aux têtes brûlées. Vous savez, les bonbons, là, qui sont super acides. Ok. Il a pas aimé. Évidemment. Ah, mais ça continue, en plus. Elana a bien ri grâce à un fantastique tour de fée. Elle n'aurait pas cru que quelqu'un puisse vraiment tomber dans le panneau. Et du coup, effectivement, ça nous prend quelques pixels de la jauge de magie, du coup. C'est vraiment ce genre de truc. Parce que c'est vrai que toutes les autres actions, style danser en étant avec une volonté de fée et tout, et parler à des plantes, ça prend pas vraiment de magie. Mais c'est ce genre de truc, du coup. Ok, tu veux faire quoi? Tu veux t'asseoir? Ben, ouais, ok. Ah mais lui aussi s'assoit, il en a pas marre de nous encore. Bon. Alors pour les cadeaux, avec la rapide recherche sur internet que j'ai fait, si je comprends bien, mais corrigez-moi si je me trompe, offrir des cadeaux dans le jeu, ça viendrait avec un autre pack. Je sais pas lequel, mais vu qu'actuellement je n'ai d'installé, enfin je ne joue qu'avec Super Pouvoir il me semble, ça vient peut-être de là. J'ai cru comprendre qu'il y avait une interaction via la boîte aux lettres ou je sais plus quoi, mais moi j'ai rien. Ouais, je suppose que c'est parce que c'est lié à autre chose. Donc, bah, tant pis pour ça. Tu vas créer un autre élixir et après, dodo. Elle a une opportunité. Déballage de plats. Il faut amener des plats au restaurant avant que le temps ne soit écoulé. N'importe quel plat. Préparer quelque chose de spécial. D'accord. Donc, j'imagine si c'est une bonne qualité. Un plat de n'importe quelle recette. En une phrase. C'est quand même vachement plus clair que dans toutes leurs descriptions, hein. Je tiens à dire. Mais enfin. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Ah, elle a fait pousser des tomates! Donc ça, c'est fait. Donner une accolade amicale. Ça, on peut le faire. Donc t'en es où? 1300, presque... 1300. 13 000, pardon. Presque 14 000. Il y a des petits trucs, là. Tiens, viens. Pas ce que c'est. Attrape-les. Ouais, c'est quoi? Un scarabée rhinocéros. Ok. Entretenir le jardin, du coup. Alors, qu'est-ce que c'est qui pousse? Plante inconnue. On sait pas plus. Plante inconnue, plante inconnue. À un moment, ça va pousser, on va savoir ce que c'est ou... c'est inconnu. C'est génial. Alors du coup, il va falloir qu'on fasse un plat pour l'amener à machin. Ouh, c'est quoi ça? Préparer ce plat sushi. Oui, bon, on va bah, au pire, on fait ça. Alors, préparer sushi. Qualité bonne. Je sais pas, est-ce que ça va aller, ça? Mets-le dans ton inventaire. Et bah oui, amène le plat. Ouh, presque 15 000 déjà. Et ben ça c'est fait. Voyons, on a gagné de l'argent. Très bien. Continue tes élixirs pour valider ce truc. 500, c'est pas rien. On en est à 4 sur 5, vas-y. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Tiens, jarre de la discorde. On a plein de mandragores. Non, c'est pas des mandragores, ça. Si, gagne de mandragores, je suis pas totalement folle. Ah, mince, tu l'as pas réussi. Recommence. Ah, ça c'est bon. Super. Ouh, niveau 4 alchimie. Tu peux faire de nouveaux trucs? Non, t'as rien appris de nouveau. Ok. Alors, on va oula, commencer par faire pipi. Après, tu vas manger tes sushis aux anchois. Oh, il y a encore des papillons. Ça, c'est des papillons de nuit, je suis sûre. Ah bah ils ont disparu. Ouais c'était eux. Après 19 h il n'y en avait plus. J'étais plus sûre de l'heure. Et là il faut préparer encore des sushis. Bah écoute fais ça. Et bah tiens pour une fois tu vas dormir. Je regardais ce qu'on n'avait pas fait qui pouvait être intéressant. Organiser une fête on a vu. Entrer dans la maison de fée c'est juste y entrer ok. Prévoir une tenue, changer de tenue c'est comme l'armoire, le miroir et tout ça. Faire une sieste détente, boire du pollen au cocktail on a vu. Donc on va aller dormir dans notre petite maison de fée cette nuit. Allez. Oh là là ça a évolué. Arbre à simflouze. Ah, c'est pour ça que c'était une graine inconnue spéciale. Ah, oignon, oignon, pastèque. Ah, j'ai envie d'en essayer d'autres maintenant. Arbre à simflouze. Ah, mais c'est bizarre parce qu'elle était dans une autre case avec écrit graine spéciale inconnue. Mais on a quand même des graines d'arbre à simflouze. C'est bizarre que ça ait été séparé comme ça. On va essayer d'autres graines. De toute façon, il faut finir le jardinage. Alors déjà, on va entretenir le jardin. On n'y voit que dalle. Allez, le jour, on se lève, on se lève. Ah, ça, elle peut pas la faire pousser. Dommage. Et celle-là? Non. Celle-là, oui. Il y a encore des zones d'ombre. Hein. Oh, c'est trop drôle.
Wouah! Je me rappelais pas du tout qu'il était présenté comme ça. Incroyable! Oh, c'est quoi, des coccinelles? Oui, des petites coccinelles, c'est trop chou! On avait quand même un système de bouffe, enfin de magasin assez incroyable. Déjà, on pouvait devenir associé, je me rappelais plus de ça. J'imagine que ça nous offre des parts de revenus. Petit restaurant. On peut aller prendre un cours de cuisine au restaurant, commander des boissons, manger, se lancer dans la carrière. Vous imaginez le nombre d'actions possibles sur un même bâtiment, c'est incroyable. Et à l'épicerie, on peut faire ses courses, trouver un emploi à mi-temps, prendre un cours de pêche, s'il vous plaît. Un cours de pêche à l'épicerie. Et vendre tous ces fruits et légumes qu'on a dans l'inventaire. On en a pour quasiment 10 000 simflouz, hein. C'est incroyable. Oh là, dans le spa, on peut se faire tatouer. Les forfaits instituts soins du corps, c'est incroyable. C'est pas du tout le but du let's play, mais je redécouvre des trucs. C'est complètement dingue. Hôpital, laboratoire scientifique, ils sont au même endroit. Mais prendre un cours de jardinage ou de logique. Oh là là. Il y a l'école et le stade ici. Prendre un cours de peinture. Prendre un cours d'athlétisme. Là, on a trois en un. Hôtel de ville, militaire et commissaire de police. On peut changer de nom à la mairie. C'est trop bien. Bon, on va essayer de se faire encore une nouvelle amie. On va dire. Non, je veux juste faire l'autre truc de tour de fée, le claque des dents. Voyons, je veux savoir ce que c'est. Alors, elle regarde encore là-haut et... Oh, mais c'est trop mignon! Ah, d'accord, ok. Donc d'un côté, la tête... comment ça s'appelle? Tête brûlante, oui, bah du coup c'est le feu, et claque des dents, c'est t'as froid. Ok, d'accord. C'est fun. Je sais pas si on peut apprendre d'autres tours au fur et à mesure. Oh, c'est la pleine lune! J'adore! Elle est ouf! Bah c'est encore trop tôt, à chaque fois que je la cherche, c'est pas du tout l'heure. Mais c'est la musique, elle me stresse. Ah, on a un zombie à côté de nous. Comme ça, ok, c'est notre copine. Et regardez, il y a une fée avec une autre couleur. C'est le même modèle, mais oh, c'est trop mignon comme bleu. Oh, un autre zombie. C'est vrai qu'on n'est jamais dehors quand les zombies sortent. Ah, c'est drôle. 250, je sais pas ce que t'as fait, mais c'est bien. Jouer un tour. Est-ce qu'on peut lui rejouer un tour maintenant ou c'est encore trop tôt? Je sais même pas où elle est partie. Ah, elle est là. Jouer un tour. Non, on peut toujours pas. Mais on va jouer un tour à quelqu'un d'autre. Hein. Elle va pas aimer. On n'y voit rien du tout. C'est dommage. Oh, la pauvre. La tête que ça fait. Oh là là. Mais regardez tous les zombies qu'il y a. Là, là. Il y en avait une là-bas, non? Ou toi, t'en es une? Ah non. Pardon. Complimenter la fourrure. Oh, donner une accolade amicale, il faut qu'on fasse. Tiens, taquiner de manière espiègle. Oula, oula, oula. Ah oui, bah là, c'est n'importe quoi. Oh, la pleine lune, le loup-garou arrive à avoir peur du zombie quand même. Hein. C'est quelque chose. Ah, il y en a un autre qui sort ici. Alors, taquiner de manière espiègle. Oh, c'est trop mignon. C'est trop, trop chou. Oh non, c'était adorable. Et du coup, la pleine lune, elle en est où, là? On sait pas trop. Ouh. Avec la lumière de la pleine lune, ça, c'est... C'est intéressant, dites donc, comme vue. Ouh. Oui, j'ai galéré avec le mode caméra, oui. C'est joli. Ah bah voilà, regardez ce qu'ils font. C'est ça, effectivement, ils bouffent les plantes. C'est pour ça que souvent, les gens étaient pas contents quand ils avaient des zombies chez eux. Donc, il suffit de mettre une clôture, hein, franchement... Bon alors après, comme je disais dans un des premiers épisodes, je crois, ça peut arriver parfois dans votre jardin, un zombie sorte de terre directement dans votre potager. Bon voilà, vous êtes un peu... C'est dommage, faut que vous réagissiez pour l'enfermer encore plus, je sais pas. Mais voilà, c'est le seul truc relou qu'ils font. Donc si vous gérez correctement votre terrain, il n'y a pas de souci. Hein. Et en effet, la plante est morte maintenant. Ouais, 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 ouais. Bon après, il a quand même réussi à faire peur à la loup-garou. Bon, c'était pas bien méchant. Il y en a un qui veut me parler de zombies. Qu'est-ce qu'il me veut? Oula! Oh, il m'a fait peur, mais non! Oh, la pauvre! C'est dommage que il n'y ait pas plus de lumière, hein. Franchement. Oh là là! Ils ont l'air d'avoir des expressions tellement, tellement cool, en plus. On n'y voit rien du tout, c'est dommage. Allez, rentre chez toi, t'es super fatigué. T'as bien profité de ta soirée, là. Ah, j'ai hâte de savoir ce que c'est, les autres plantes inconnues, là. Oh là là. Oh, regardez, il y a des papillons tout violets.
Tu finiras ton jardin après. Ah, c'est ce qu'on connaît déjà. Ah ouais. Oula, qu'est-ce que c'est? Réparer le mécanisme de verrouillage au commissariat de la police. Ok, si tu veux. Donc je disais, on a combien? On en a qu'un seul comme ça. Oh, il est trop beau. Oh mince, il a disparu. Est-ce que tu avais fini tout ça? Oh, elle est morte celle-là, c'était quoi? Oignon. Bon, ça va, on en a plein d'autres. Par contre, oui, c'est vrai qu'il y a une fois où je disais que je savais pas si on pouvait récupérer les papillons pour les exposer chez nous. Et je sais plus qui, je suis désolée. M'a dit en commentaire que s'il fallait les faire glisser. Regardez comme c'est mignon. Oh, bon, c'est le même genre de boîte que dans les Sims 4, mais... Ah, oh, je suis contente de pouvoir le voir chez moi, du coup. Je viens juste d'y penser, en les voyant là, ça m'a rappelé ça. Merci pour l'astuce, d'ailleurs. Allez, on va aller réparer les mécanismes, du coup. Et au niveau de ça, on en est à 16 700. Bon, c'est un peu stagné, mais on se rapproche, hein, on se rapproche. Faut vraiment qu'on arrive à finir le jardinage, ça va nous booster un max. On est toujours assez loin, c'est long, hein, le dernier niveau, forcément. Ouh, ça c'est fait, on a gagné 800 Simflouz. Wouah! Alors, qu'est-ce qu'il faut faire là? Créer. Ah, bah ça c'est facile. Bon, 150, c'est pas énorme. Mais c'est facile. Oui! On est passé à 19 000. Ouh, déballage des plats. Amener un plat encore. Ouh, trop bien. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, attends. Déjà, tu vas te doucher, hein. On va pas aller au resto complètement crade. Et ensuite, tu vas faire. T'as pas de suggestion particulière? Bah écoute. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Spaghetti en sauce et légumes. Allez. Ouh, c'est tout crade ça. Ouh, nettoie. Qui c'est qui fait gru-gru? Il y a quelqu'un qui. What? What? Qu'est-ce qui s'est passé? Le gamin, il s'est étranglé? J'ai pas compris là. Purée, c'était étrange! Ouh là là! Ouh là là, ouh là là! Alors, le plat dans ton inventaire et tu vas pouvoir l'amener là-bas. Oui, ça c'est fait! Qu'est-ce qu'elle a? Ouh là là, ouh là là! Vous êtes plusieurs dans ta tête quand même, j'ai l'impression. Hein. Alors, par contre, il faudrait voir si on trouve pas la demoiselle là, à qui j'avais fait peur l'autre jour. Où est-ce que c'est le centre-ville déjà? Ici. Je vais commencer à arriver à me repérer. Tiens, viens ici. Voyez un peu comment les arbres et les textures se sont chargés, déchargés, rechargés. Oh là là, catastrophe ce jeu. Est-ce qu'il y a la demoiselle? Comment elle s'appelle déjà? Anna Love Ivy. Non, là il n'y a que des gens bien sapés pour un pique-nique. Voilà, la logique quoi. C'est pas grave, je vais lui faire peur à elle. Vraiment, elle me fait très rire. On va refaire claque des dents, tiens. Je sais pas, c'est le contraste entre son look et ce qu'on va lui faire subir qui me fait assez rire. Non, elle n'a pas voulu. Ok. Reviens, reviens. T'es pas en face. Mais pourquoi ça s'annule? Ça marche pas. Attends, il n'y a rien qui marche. Et si je te salue tout simplement? Ah, peut-être qu'il fallait la connaître d'abord. 250. Bah de toute façon, c'est pas perdu. Alors, je claque des dents. Et là, ça marche! Oui! Oh non, mais la tête! Genre, qu'est-ce qui va me tomber dessus? Oula! Mais c'est trop drôle! Oh, mais elle est même pas sûre d'elle! Qu'est-ce qu'elle a, la pauvre? Oh, bichette! Oh non! Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, elle se fait renvoyer son sort? C'est quoi ce délire? Je sais pas. Oulala, oulala. Ouais. Ou alors c'est une sorcière. Oh, la pauvre. Oh, la tronche que ça fait. Je les connais pas, moi, vous savez, les sorcières. À part les Ladentelles, je crois. Je suis pas calée en PNJ, hein, donc je sais pas si c'est censé être une sorcière ou pas. Mais d'accord, elle vient de se faire avoir, c'est super. Pardon? Pardon, pardon. J'adore les Sims qui prennent l'initiative d'apprendre une nouvelle compétence. Apprenons à mieux nous connaître. Il y a eu une petite musique et des petits cœurs. Hein. Je sais pas si vous avez vu. Je suis pas d'accord, hein. On se connaît pas. T'es qui, toi? Flint. Bah non. Alors, dans la catégorie des fées, vraiment, hein, pour les interactions sociales, on a parlé des fleurs, raconté un conte de fées, se vanter de faire des farces et taquiner de manière espiègle. Ce qu'on a déjà vu, hein, c'est des actions assez classiques. En plus de, effectivement, jouer un tour de fée.
Donc je sais pas si à un moment donné je suis censée débloquer d'autres actions ou pas. Mais bon, on va continuer, on verra bien. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Je sais pas. Bonjour à toi. Elle nous regarde de loin, genre, progéniture. Ça y est, l'opportunité des fées a fait des ravages. Je ne sais pas, je raconte vraiment de plus en plus n'importe quoi. Faut pas faire gaffe. Ben, bien, Ok, c'est bon. bah la pauvre, ouais. On n'aura pas croisé notre copine blonde, par contre, ça c'est dommage. On va donner une accolade amicale, j'avais oublié ça. Vas-y, fais ça, je sais pas qui t'es. Amicale, non, on va déjà se présenter. Est-ce qu'on peut donner, faire une accolade là? Non, j'ai l'impression que c'est que pour les amis. Voyons, tiens, si t'invites Dwayne, est-ce qu'il va venir ici? Ah bah oui, il est là. Alors, amical, calmer, faire connaissance, donner l'accolade. Donc ouais, ça doit être un truc si la relation est un peu plus poussée, j'imagine. Oh, ils sont trop choux. Moi qui n'aimais pas les loups-garous dans les Sims 3, je trouve que là, il me dérange moins. Il a l'air gentil, je sais pas. C'est notre copain depuis qu'il a pissé devant nous, il n'y a plus de secret. Ok, non mais les ragots, ça va là? Ouais, il est pas content, il est pas content. Et si on l'invite, elle, qu'est-ce qu'il veut? Jouer un tour. Ah tiens, 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 viens ici. Jouer un tour. Je suis désolée, hein. Tu vas moins nous aimer. Mais c'est pour nos points. Ah, il y a quelqu'un qui a pissé encore. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris là. Ils sont tous partis. Dwayne a disparu, la blonde qui est arrivée, elle est déjà plus là. Elle est déjà repartie, rien à foutre. Ok, d'accord. Personne ne veut de nous. Mais t'es où? En fait, elle est arrivée, et si on n'était pas immédiatement avec elle, ça se rebarre. Ok. Ah oui, elle repart directement. Mais qui est-ce que c'est que ces gens? Tiens, parle de fleurs, va. Et donc, il faut faire quoi déjà? Jouer un tour. Ok. Tête brûlante. Oh, alors? Est-ce que tu vas y arriver cette fois? Regarde au-dessus. Oh, ah ben non. Mais elle y arrive plus. Et je suppose que toutes les nanas à qui je fais un tour, elles sont pas sorcières à mon avis. Donc ça doit être un truc genre si elle se loupe, elle peut riposter, je sais pas. J'en sais rien. Honnêtement, c'est que des spéculations. Je pense que vous êtes certainement plus calé que moi sur le sujet. Je comprends pas pourquoi cette réaction, mais c'est très drôle en tout cas. Est-ce que ça se... Bah non, du coup, ça se valide pas. Oh la pauvre! Faut vraiment réussir à lui jouer un tour. Bon, on aura... Ah, on peut réessayer, attends. Vas-y, recommence. Est-ce que tu vas y arriver cette fois? On l'a carrément suivi jusqu'à chez elle. Oula, mais... Chez elle? Non, non, ça, c'est pas ça, non. Ah, t'as réussi! C'est pas chez elle! N'importe quoi! Elle habite au cimetière! Bon, elle a réussi cette fois, mais par contre, ça se valide pas. Ah, quand même! On a dépassé les 20 000, les gens. Il nous reste plus que 10 000 pour arriver à changer ses ailes. Donc certainement dans le prochain épisode, avec un peu de motivation, vous devriez vraiment prendre des cours pour apprendre à vous amuser, une formation sur 4 ans au minimum. Oh purée, elle nous aime vraiment pas. Bon, ce qui est logique, hein, mais qu'est-ce que tu fais? Voir? Tu veux voir la plante? Mais n'importe quoi, toi. Elle est contente en plus. Désagréable, ennuyeuse, interminable, voilà trois adjectifs tout à fait appropriés pour décrire cette dernière sortie à plusieurs. Super! Ce dernier niveau de jardinage est interminable. Incroyable. Faites voir, 14 000 points sur 27 000. Oh, c'est long! Ça faisait des jours que je la faisais coucher vachement tôt. Vers 22 h, 21, 22 h, ça dépendait. Et là, on est quand même à 1 h 30 du matin. C'est n'importe quoi. Je suis désolée. Désolée, poulette. Allez, tu vas vite aller dormir. Et du coup, nous, on va terminer l'épisode là-dessus. J'espère qu'il vous aura plu. Plein de bêtises avec les fées. Tiens, ça, on va arrêter. Ça me saoule. C'est trop fort. Oui. Alors, une nuit de pleine lune au parc. C'était une première. On s'est bien amusé. Elana a réussi et moins réussi certains sorts. Je sais pas trop effectivement s'il y a quelque chose de plus à voir au niveau de la magie et des fées concrètement. Je sais qu'elles ont des auras. Elle en a qu'une. Est-ce que c'est normal? Je ne sais pas. En l'occurrence, on aura quand même toujours à voir les ailes, pardon.
Et bah, je vais voir si avec cette, la récompense des ailes, il me semble qu'il y a d'autres trucs à voir avec cette récompense. Attendez. Faites venir d'autres fées, changez la couleur de vos ailes, nanana, et dépensez moins de magie de fées pour chaque action effectuée. Faites venir d'autres fées, la reine des fées, j'imagine qu'on doit avoir quand même une ou deux nouvelles interactions en plus des ailes avec cette récompense, je suppose. Bon, du coup, on se garde ça pour l'épisode prochain. On est déjà passé à 21 000, donc c'est cool. J'ai très hâte de pouvoir lui changer ses petites ailes. Et puis, bah, j'espère que ça vous plaît toujours, voilà. On monte aussi également l'alchimie pour voir un petit peu ce qu'on peut en faire. J'aime bien découvrir les potions, parce que c'est vrai que le système est quand même grandement différent des Sims 4. Et puis, voilà. Du coup, moi, je vous fais des gros bisous. On se retrouve tout bientôt pour de nouvelles vidéos. Et bah, en attendant, prenez soin de vous.